Salam alaikum, Azulfillaoun, bonjour. Il ne faut jamais se réjouir trop tôt d'avoir passé le gué. La moisson n'est jamais faite tant que le dernier grain n'ait été mis à l'abri. La promesse était belle pourtant, la terre était noire et légère, gorgée d'humus, les semences soigneusement choisies. La pluie généreuse. Le printemps vint qui fit verdir la plaine et la parsema de coquelicots incandescents. Puis l'été s'exhala de tous les horizons en chaude lumière pour s'épanouir, pour faire épanouir la vie, pour la gonfler de sève nourricière. Les champs de blé ondoyaient sous le petit vent frais du matin. Les épis étaient lourds de blondes espérances. Puis un jour, alors que les chants de joie retentissaient déjà et que les moissonneurs étaient en marche vers les champs, une grêle cruelle et interminable s'abattit sur la terre. La moisson fut anéantie, les tiges brisées étaient vidées de leur généreuse portée. Le grain se mêlait à la glaise en une mixture stérile. L'année prochaine ne sera pas celle de la douceur du foyer. L'année prochaine sera celle des lourdes incertitudes. Dans notre pays, les abus de toutes sortes font floresse, sans que cela indigne outre mesure, sans que la classe dite politique bouge une oreille seulement. L'aviation militaire française a été autorisée à survoler le territoire algérien pour aller guerroyer au Mali voisin, et c'est à peine si nous avons entendu quelques soupirs d'exaspération. Le président de la République ne s'est pas adressé à la nation pendant deux longues années. Il se rendait même plus à son bureau et avait délégué la totalité de ses prérogatives à son frère, qui le remplaçait au pied levé, qui nommait, qui dégommait, qui distribuait la rente, qui s'était entouré de dizaines de généraux frais et moulus, qu'il avait lui-même galonné et enrichi. Rien ne s'est passé. Un peu comme si un épicier avait confié les clés de la boutique familiale à son frère. Des dizaines de partis pullulent, certains ne sont composés que d'une seule et même famille. Des partis qui ne servent à rien, d'autres qu'à donner le change, à participer à la grande bouffe, et qui servent au régime à donner l'illusion que la démocratie fleurit dans son Absurdistan. Personne ne s'en étonne. Des présidents de ces mêmes partis deviennent des milliardaires au moment où ils traitent quiconque essaye de bouger d'alliés du Qatar, de l'OTAN et de BHL. Personne ne s'étonne. Ils jouent sur du velours, ils sont crus sur parole et personne ou presque personne ne les montre des doigts. Le pays découvre que tous ceux qui sont au pouvoir sont tous parents les uns des autres, qui ne se marient qu'entre eux depuis l'indépendance, qu'ils sont tous associés les uns aux autres, que pas un de leurs enfants n'a déploré ne serait-ce qu'une gifle pendant que 200 000 Algériens se sont fait assassiner. Ça n'a choqué personne. La corruption fait rage à un point où les barons du régime et leur clientèle deviennent des milliardaires en dollars. Ça n'a dérangé personne, sauf les « hassadines » entre guillemets, qui auraient bien voulu être à leur place, bien sûr. Un homme totalement impotent a été porté à la tête de l'État, une quatrième fois successive, sans qu'il puisse ne serait-ce que mener sa propre campagne électorale. Cela a fait quelques petites vaguelettes, quelques voix se sont timidement élevées, puis tout le monde est retourné à ses petites et grandes affaires. La Constitution est encore une fois en passe d'être violentée, traficotée, pour faire en sorte que le pouvoir n'échappe pas à l'oligarchie qui le tient, si jamais le président de façade lui claque entre les doigts. Non seulement ça ne fait pas sauter le couvercle de la marmite, mais ça se bouscule au portillon de Ouyahia, le maître de cérémonie. 54 partis au moins, des dizaines de pseudo-personnalités en tout genre, voire même d'anciens djihadistes qui se vantent d'avoir tué de leurs mains de jeunes appelés. Mais voilà qu'un événement d'une très grande importance survient. Des Algériens venant du FIS ou d'autres mouvements islamistes, d'autres courants représentant des gens qui se disent du courant démocratique et d'autres enfin du cœur même du régime, se rencontrent autour d'une même table.
Ils se parlent, ils affirment haut et fort que le pays est en danger de mort, que l'heure est venue de rassembler toute la nation pour imposer un changement au régime qui tient le pays. Ils conviennent ensemble que le régime doit y être associé pour une transaction en douceur, pour éviter de sombrer dans une autre tragédie. Tous les Algériens, conscients que leur pays est sur le point de sombrer, ne cessaient d'appeler à une telle rencontre. Or, voilà que des gens qui n'ont réagi à rien, ou juste pour la forme, des gens qui ont tout accepté, même s'ils faisaient la moue, se lèvent comme un seul homme à la grande joie du régime, qui n'en espérait pas tant. Et ainsi, en réponse à cette initiative de la CLTD, plutôt que de soulever l'enthousiasme, l'adhésion, le soutien, voilà que de toutes parts, des bouches se tordent de colère, des regards empoisonnés dardent la cible désignée, des chuchotements insidieux, murmurés avec des touches de clavier, traitent les initiateurs de suppôts du régime, voire du DRS, des index raidis se tendent vers les désormais comploteurs, agents sournois d'une opération de subversion actionnée par le régime lui-même, etc., etc., pour brouiller les cartes, nous disent ces esprits chagrins. La calomnie est en marche, de vieilles rancœurs se répandent en pestilence, des politiciens de la parlotte stérile sont offusqués de ne pas avoir été invités, d'autres, retraités galonnés en rade, se mettent en formation de combat et attendent les ordres, sans compter les éradicateurs, les takfiristes et un tas de gens qui, aussi curieusement que cela peut paraître, se retrouvent tous dans le même camp, attiraillés dans la même direction sur une CLTD qui n'a même pas fait un premier pas. Mais ces attitudes sont bien plus annonciatrices de la bonne nouvelle que vous pourriez vous l'imaginer. On ne mesure la portée d'un grand événement que par le nombre soudain de ses détracteurs. Autant les insignifiances sont ignorées, méprisées, passées sous silence, autant les bouleversements manifestes et porteurs d'espérance sont-ils tout aussitôt hués de toutes parts. C'est là le signe de leur importance, justement. Jusque-là, la seule et unique réaction vraiment responsable, vraiment militante et hautement politique a été celle de l'ANC, elle aussi composée de personnalités de courants séculiers et islamistes. L'ANC, tout en restant intransigeante et ferme sur ses positions, salue néanmoins l'initiative de la CLTD et s'en réjouit, même si elle émet par ailleurs de sérieuses réserves sur ce qu'elle considère comme des lacunes, notamment dans les sujets évoqués par cette première rencontre. La réaction de l'ANC, tout en restant critique, n'en rejoint pas moins l'idée fondatrice de cette initiative qui affirme vouloir fédérer toutes les forces vives de la nation pour aller vers un véritable changement et l'avènement d'un état de droit avec pour seul vrai objectif de changer de régime et d'asseoir une vraie démocratie. Avec nous pour en parler, Makri Abdelaziz, président du MCP et néanmoins initiateur de la CLTD. Mehdi Psikri, journaliste et membre fondateur de Barakat. Iskandar Debbesh, militant des droits de l'homme. Aujourd'hui, le soir d'Algérie, dans une lettre adressée à Ahmed Ouyahia, le FFS tente de se justifier. Jeune Afrique. Jeune Afrique, constitution algérienne, silence, on se concerte. Et enfin, Le Monde, un petit clin d'œil après le match d'hier. À Marseille, la grêle et la Belgique douchent les supporters algériens. Si Abdelaziz Makri, merci d'avoir répondu à notre invitation. Abdelaziz Makri. Il semble que nous l'ayons perdu. Nous allons essayer de le retrouver. Iskandar Debbesh, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Merci Iskandar de nous avoir rejoints. Alors, dites-moi Iskandar, que pensez-vous donc de cette initiative politique? En même temps, que pensez-vous de l'initiative, si on peut l'appeler comme ça, du régime pour une autre révision constitutionnelle? Ben, la part du régime,
c'était prévisible. Hein. Bon, qu'il cherche à brouiller les cartes, ça c'est dans son... absolument, c'est dans ses cordes. Il ne veut pas, c'est-à-dire de ce genre de, il ne veut pas ce genre d'initiative. Ça, il est fermé à ce genre d'initiative. Maintenant, pour ce qui est de la demande de transition venant des partis politiques de la CLTD qui se sont réunis, bon, d'abord, on ne peut que saluer cette initiative. J'espère qu'il en ressortira quelque chose. Je pense qu'ils auraient dû aller plus loin et puis organiser quelque chose un peu sur le temps de la première conférence de Saint-Égidio, si vous vous en souvenez. Oui, c'est-à-dire oui. Essayer d'internationaliser l'affaire. Donc là, je pense que ça aurait été beaucoup plus percutant contre le régime parce que, bon... maintenant ils vont se réunir et quand découlera-t-il et quand ressortira-t-il, est-ce que cela sera suivi des faits ou non, c'est-à-dire bon, c'est difficile à dire. Restez avec nous, Iskandar Debbache. Abdelaziz Makhri, merci de nous avoir rejoint. Oui, c'est Abdelrazak Makhri. Hein? Abdelrazak Makhri, excusez-moi, ces derniers temps je suis en train de perdre mes billes, moi. Si Abdelrazak, vous vouliez faire une mise au point concernant le titre d'Al-Watan qui dit « Tout le monde est d'accord pour l'intervention de l'armée ». Je ne sais pas comment le journaliste en question a interprété donc, mes déclarations. Moi, j'ai dit que il y a aucune partie en Algérie, que ce soit des personnalités ou des partis politiques, qui ont appelé à l'intervention de l'armée, ni Hamrouch, ni le RCD, ni le FFF, ni moi-même. Chacun a utilisé les mots qui conviennent à ses... Et tout le monde converge qu'il faut qu'il y ait une transition ou une transformation démocratique qui doit associer le pouvoir en place, que ce soit son côté militaire ou son côté politique. C'est-à-dire que c'est une transition donc négociée qui doit donc englober les partis politiques de l'opposition et le pouvoir en place. C'est un choix qu'on a fait parce que tout le monde connaît très bien comment c'est la transition démocratique et beaucoup d'entre nous savent très bien, connaissent très bien les expériences des pays qui ont connu des transitions démocratiques et tout le monde est au courant qu'il y a trois modes de transition, la transition d'en bas avec les révolutions que tout le monde connaît ou la transition d'en haut lorsqu'il y aura des personnes au pouvoir responsables et patriotiques qui savent très bien qu'ils vont se trouver en face de difficultés énormes à l'échelle politique, économique et même sécuritaire. Alors ils choisissent donc d'entrer en contact avec la classe politique et pour faire ensemble une transition démocratique. Donc tout le monde pense de cette façon, mais chacun utilise les mots que... Mais c'est Abdelrazak Makhri, Mouloud Hamrouch, dans une conférence à Alger, a utilisé les termes, il a appelé l'armée à faire tomber le régime. Je suis responsable de ce que j'avance. C'est lui-même qui l'a dit en ces termes. Il a appelé l'armée à faire tomber le régime. Écoutez, moi, je n'ai jamais lu, je n'ai jamais entendu que Hamrouch dire cela. Moi, moi-même, j'ai écrit un article en langue française répondant à Hamrouch lorsque j'ai cru qu'il voulait dire cela. Je me suis entretenu avec lui, il m'a bien expliqué que ce n'est pas ça son idée. Il n'appelle pas à l'intervention de l'armée, il appelle à ce que les hauts responsables dans les hautes sphères du pouvoir en place, il a même cité des noms, il a cité Bouteflika, Gaït Salah et Toufir, il a appelé ces trois personnes donc à prendre leur responsabilité pour aider au changement avec la classe politique, c'est ce qu'il a expliqué. Une intervention directe de l'armée, pas du tout. En fait, pour être plus précis, Hamrouch, il a appelé comme ça, à faire tomber le régime en place, selon ses propres termes, dans le calme, avec l'aide de l'armée. Moi, j'interprète ça comme un coup de force.
c'est un appel à un coup de force. Mais chacun assume ses propres responsabilités. Et chacun fait ses propres lectures dans ce genre. Mais sinon, vous-même, c'est Abdelazar, comment voyez-vous l'accompagnement de l'armée pour aller vers cette transition? Comment voyez-vous, comment ça va se passer selon vous? Comment ça doit se passer? Oui, de toute façon, mon opinion, il répond aux convictions de mon parti et aussi de la coordination. Nous sommes tous d'accord sur le mode de transition démocratique. C'est une transition négociée qui se fait dans le dialogue entre les partis de l'opposition et le pouvoir en place. Néanmoins, on sait très bien que les rapports de force actuels n'arrangent pas ce choix-là. C'est pour cela que nous, on est en train de développer une dynamique commune entre les partis politiques pour essayer d'exercer les pressions qu'il faut et qu'on peut à l'encontre du pouvoir pour qu'il change son avis, tout en sachant que le pouvoir en place est en face de grandes difficultés qui vont s'accentuer avec le temps, que ce soit à l'échelle économique, sociale ou même au sein de ce qui est dans les sphères du pouvoir. Il est en face de grosses difficultés. Donc il y a une sorte d'alliance objective entre ce que fait l'opposition et ce qui se passe vis-à-vis du pouvoir, c'est-à-dire ses propres contraintes. Et nous sommes très confiants que le temps travaille pour cette vision, travaille pour ces choix-là, et que le pouvoir en place, il va être obligé, bien sûr, il va être obligé s'il y aura un minimum de responsabilité et de patriotisme, il sera dans l'obligation de répondre à cet appel patriotique des partis de la, je dis pas de la coordination, mais de la conférence des libertés et de la transition démocratique. À ce moment-là, il trouvera en face de lui une classe politique crédible, une classe politique très proche des citoyens et une classe politique qui a une vision, c'est-à-dire qui ne travaille, qui ne parle pas pour ne rien dire, mais qui ont une vision, une plateforme qui a été débattue, qui a été discutée, qui a été approuvée dans sa globalité par tous les membres ou toutes les parties qui ont assisté à cette conférence-là. Et bien, s'il ne choisit pas cette voie salutaire pour le pays, à ce moment-là, il sera responsable d'un éventuel effondrement de notre pays. Et à ce moment-là, il y aura une classe politique, une autre fois, crédible, expérimentée, qui pourra contenir la situation, qui pourra préserver le pays d'une nouvelle tragédie. Voilà, donc nous, on se prépare pour un avenir qui ne sera pas lointain, bien sûr, un avenir proche ou moyen. Et nous ferons cela pour notre pays. Nous sommes en train donc de mettre en place une nouvelle dynamique politique, une classe politique crédible, très proche des citoyens, et qui a une vision. Donc c'est une œuvre... Mais concrètement, c'est Abdelazar, concrètement, vous êtes réunis aujourd'hui à ma connaissance. Concrètement, qu'est-ce que vous avez décidé? Quelles sont, à très court terme, les actions que vous avez programmées? Dimanche, parce que moi, je suis absent, je ne suis pas à Alger. Oui. Il y a M. Dembitur aussi qui est absent. Oui. Donc, il y a aussi Doudi qui sera. Qui ne pourrait pas donc, assister. C'est pour cela qu'on s'est mis d'accord de reporter la réunion à dimanche. Mais sinon, c'est Abdelazak Makhari, quelles sont les actions à court terme que vous avez décidé de façon consensuelle de commencer à mener pour concrétiser votre action? Devons-nous, premièrement, revoir le texte qui a été approuvé dans cette globalité, mais quand même, il y a eu donc, quelques remarques et quelques amendements. On va donc. Les mettre dans le texte pour refaire un autre texte qui sera plus succinct et qui compte donc les positions. Il y a des coupures, il me semble. Il me semble qu'il y a un problème avec le téléphone. Monsieur Makhri? Iskandar,
Vous avez entendu donc Maqri Abdelrazzaq? Oui, justement, je voudrais rebondir sur une de ses déclarations, Je vous en prie. certains de ses propos. À propos justement de la question s'il faut travailler avec le pouvoir pour la transition. Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Bon, mais cette démarche comporte certains préalables. À mon avis, comporte certains préalables. Et entre autres, bon, l'un des plus importants serait d'abord consisterait dans la désignation d'un conseil d'État qui soit absolument neutre et qui fasse l'objet d'un consensus, non seulement d'un consensus, mais de l'assentiment de toutes les parties, et qui soit réellement reconnu, c'est-à-dire réputé indépendant. Vous voyez ce que je veux dire? Allô? Oui, je vous entends, Iskandar. Oui, et qui soit réellement un conseil d'État qui soit réellement indépendant. Je pense, moi, je pense que c'est déjà le préalable. Parce que Mais si les gens travaillent avec le pouvoir. Iskandar, selon Oui. vous, quels seraient les pour une transition, un conseil d'État par exemple, quel serait le mode de désignation de ce conseil d'État? Comment le désigner? De quelle manière? Un D'abord, scrutin? commencer par des consultations et Pas, entre qui et qui? des propositions de toutes Entre les qui et parties. qui? Et chaque personne proposée devra faire l'objet d'un vote de toutes les parties, de la part de toutes les parties, c'est-à-dire une consultation auprès de toutes les parties, c'est-à-dire de tous les partis politiques ou groupes de partis politiques. Oui. Mais vous savez, Iskandar, quand vous prenez par exemple les partis politiques, il y en a à peu près 64 dans le Oui. pays, dont 90% ne servent à rien. Ce sont des épiceries politiques. Vous allez les associer dans une telle démarche? Moi, je pense que déjà au départ, il va falloir d'abord dissoudre l'Assemblée, dissoudre complètement l'Assemblée. D'accord. Maintenant, tenir compte des demandes de la commission, si on peut l'appeler, du groupe de la commission de transition, enfin du groupe de partis politiques, de formations politiques qui travaillent actuellement au projet de transition démocratique. Et le pouvoir, puisqu'on décide, puisqu'on envisage de travailler avec lui, et à ce moment-là, convenir d'un conseil d'État présidé par une personne ou des membres qui fassent l'objet d'un consensus. Ça veut dire D'un pour consensus. une période transitoire pour préparer, comme vous disiez, une assemblée constituante, etc. Absolument. Et je crois que c'est le plus important. Et bien, il faudrait également, je pense qu'il faudrait également désigner une commission d'arbitrage. D'accord. Bah, c'est Une commission d'arbitrage qui fasse également l'objet d'un consensus national. Ça veut dire vous êtes pour de très larges consultations pour essayer d'arriver à une phase où des gens peuvent constituer une sorte de conseil d'État, un conseil de salut public, provisoire, Absolument. transitoire. Nous allons poser la Absolument. question à Sia Makhri. Abdelrazzaq Makhri, Iskandar Debbèche, militant des droits de l'homme, pense qu'il faudrait aller vers la constitution d'une sorte de conseil d'État élu de façon démocratique. Moi, je ne vois pas très bien le mode de désignation. Qui pourrait donc prendre en main la période transitoire, aller vers une constituante, aller vers un gouvernement provisoire, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Beaucoup d'idées, toutes les idées sont les bienvenues. L'essentiel que la classe politique reste dans cet esprit de concertation et cet esprit de travail en commun dans la plateforme qui a été donc débattue au sein de la coordination et qui a été ici une plateforme pour la conférence. On a bien précisé les modalités, on a bien précisé. Beaucoup de propositions pour la transition démocratique et c'est des propositions, c'est-à-dire qui ont été tirées de plusieurs expériences à l'échelle internationale. On a étudié au moins 10 expériences de transition démocratique dans tous les pays de tous les continents, donc il y a beaucoup d'idées. De toute façon, vous m'avez posé une question bien précise, je ne sais pas ce que on a été coupé avant Oui, que oui, je oui. donne ma réponse. Mais il ne nous Sinon, reste vous avez, que vous deux m'avez posé minutes. quelles sont les étapes maintenant Oui. à faire après la conférence. Je ne sais Exactement. pas où est-ce que ça a été Si vous, coupé. si vous pouviez me répondre en moins de 2 minutes, parce que Voilà. oui, je vous en prie. Ce qu'on va faire, premièrement, donc, on va revoir le texte sur la base des propositions qui ont été faites dans la conférence. Deuxièmement, on va
nouvelle institution pour la concertation et le suivi de ce qui a été discuté dans la conférence. Troisièmement, on va se mettre d'accord sur un plan d'action qui va nous permettre d'organiser un certain nombre de conférences, une série de conférences politiques et de conférences thématiques qui traiteront de sujets très, très, très importants qui n'ont pas été traités auparavant. Donc on va aussi en même temps essayer d'entrer dans une nouvelle concertation avec toutes les parties qui sont concernées pour cette institution. Et pour garder donc cette ligne de concertation, de travail en commun. Est-ce que vous allez inviter d'autres forces, d'autres mouvements, d'autres groupements, d'autres personnalités à vous rejoindre? En deux mots, s'il vous plaît. Les gens qui sont pour le changement et les réformes politiques sont les bienvenus, bien sûr. Nous, on n'exclut personne. C'est une démarche inclusive qui concerne tout le monde, qui concerne tous ceux qui veulent un changement pacifique. Voilà. Abdelrazak Makari, merci de nous avoir rejoints, merci de nous avoir expliqué. Et je souhaite vous retrouver bientôt sur la chaîne Le Maghribia. Merci à Iskandar Debbesh, militant des droits de l'homme. L'émission est maintenant finie. Merci d'y avoir assisté. Salam alaikum, Azul Fillaouen, à demain.